Gardez-la comme ça encore. Je vais l'éclaircir un petit peu. Les oreilles sont comme les ailes. C'est mon grenouille, hein. On va tourner. Son dos. Si, on voit très bien le squelette. Ouais. Les petites pattes. Une queue. Ouais, la queue. C'est replié en dessous, mais on voit bien quand même. Et les oreilles par transparence, je vais essayer de m'approcher. Tout près, tout près. Vas-y, tu peux y aller tout seul. On va venir là. On voit très très bien l'intérieur des oreilles. Les griffes. Je vais aller sur les griffes. Les petits doigts. Tout près, plus près du petit doigt. Les ailes membraneuses. Une belle bête. Son doigt aussi, qui dépasse. Ouais, son petit doigt. Voilà. Là aussi, c'est tout un univers. Une petite bébête. Ses yeux. Elle a des petites moustaches. Petit poil du visage, c'est pas rasé. Marcy lui disait qu'il en avait examiné une, tripotée, même. Épinglé pendant des heures, épinglé sur une planche pour l'observer, puis après elle s'est réveillée. Épinglé. C'est vrai que c'est troublant parce que c'est le seul mammifère qui vole. Elle est large, hein. Faut que je recule beaucoup pour la voir en entier. Un oreillard. On voit très bien l'intérieur de l'oreille, c'est très grand. Hein. Je ne juge pas la bonne distance. Grands orifices à l'intérieur de l'oreille. Son visage commence à suinter. Elle va sécher. Une petite patte. Là, on voit très bien une petite patte. Puis dans l'aile, on va regarder tous les doigts. Les cinq doigts. Là, on voit très bien. 2, 3, 4, 5. L'avant-bras, le bras qui est assez court. Puis les membres inférieurs qui sont très réduits, mais qui tendent aussi le... Voilà, ça c'est bien. Alors les doigts des les orteils, là, ils sont vraiment tout petits par rapport aux doigts des mains. Les griffes, attends. Les griffes s'accrochent à ma peau. Bah oui, mais c'est fait pour ça. C'est efficace. Très efficace.
Voilà des petits doigts. Oui.